Nous nous retrouvons sur le terrain pour poursuivre ce banc d'essai du Smith & Wesson modèle 69, donc un revolver à canon très court chambré en 44 Magnum. Alors je me suis mis à 25 mètres, c'est une distance un petit peu longue pour ce revolver à canon court, mais là je suis sur appui. On avait vu avec le 357 Magnum, on a essayé très récemment son petit frère en fait, le modèle 66 en 357 Magnum, et on a des résultats vraiment excellents. On peut même faire du 10 à 25 mètres, sur appui bien sûr. Debout, à bras francs, ça sera quand même beaucoup plus difficile. Mais je pense que là, je devrais avoir à peu près la même précision, enfin du moins je vais essayer. Alors, en 44 Magnum, je n'ai pas beaucoup de munitions, et je n'en ai pas du tout en 44 spécial. La particularité de ces revolvers, le 357 Magnum peut tirer du 38 spécial. Et on ne s'en est pas privé, bien sûr, parce que le 38 spécial, il y a moins de recul, il y a une très bonne précision, c'est intéressant. Il y a d'ailleurs des revolvers qui ne tirent qu'en 38 spécial, donc on trouve très facilement ce genre de munitions. Le 44 Magnum, on a la même dualité. Un revolver en 44 Magnum, il peut tirer de la 44 spécial, qui a beaucoup moins de recul et qui a aussi une très bonne précision, c'est un très bon calibre. Je ne sais pas s'il y a des revolvers qui sont chambrés uniquement en 44 spécial, ça doit exister, mais il y en a assez peu. Et en tout cas, on a beaucoup de mal à trouver des 44 spécial, des munitions. Pour la bonne raison qu'on a une législation française qui est toujours assez bizarre, et entre autres bizarreries, le 44 Magnum est classé en D, alors que le 44 spécial est classé en C. Donc, les armuriers vendent beaucoup de 44 Magnum, mais ils ne vendent pas du tout de 44 spécial et on n'en trouve pas. Voilà, j'en ai pas trouvé. Donc on fera les essais uniquement en 44 Magnum. Alors je sais pas, cette arme est avec une visée réglable. Jean l'avait déjà testée, je pense qu'elle doit être réglée, peut-être pas à 25 mètres. Je vais prendre ma visée au bas du visuel, je vais voir si ça convient ou s'il faut que je retouche cette visée. Donc j'ai quelques munitions. J'en ai pas assez dans cette boîte-là, mais heureusement j'en ai une autre boîte-là. C'est des American Eagle et c'est des 240 grains JHP, donc des balles expansives. Alors 5 coups seulement, de façon à faire quand même une arme compacte. Ils n'ont mis que 5 coups. Le chrono est en marche. Alors, il y a toujours. C'est pas très facile de prendre un appui avec ce genre de revolver. Disons que c'est pas un appui de bench rest. Ça recule très fort, ça recule très très fort et pourtant je le maintenais bien. Hein. Ça relève, c'est terrible un canon comme ça, canon très court. Ben, j'ai 356 mètres secondes quand même. Si vous ne le tenez pas bien, vous le prenez dans la tête, hein, ça c'est sûr, parce que là je le maintiens très fermement quand même, pour éviter qu'il relève trop fort. Quelque chose s'est barré avec le souffle est tellement fort qu'il fait tomber des trucs. Ah ouais, ça fait mal à la main. Ça me fait mal dans le creux de la main tellement ça recule. Bon, je vais aller voir en cible où ça en est. J'ai 357 mètres secondes. Voilà, c'est 44 Magnum American Eagle. Alors, j'ai... La moyenne 352. Et les critiques 9 quand même. 9 mètres secondes.
Et à 25 mètres, est-ce que je suis bien réglé? C'est pas sûr. Ah bah oui, je suis pas trop mal réglé. D'accord, donc j'ai pris mon, j'ai pris ma visée ici, bas visuelle, j'ai posé ma hausse ici, et je suis là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai pas besoin en principe de toucher au réglage, on va voir ce que ça donne avec d'autres munitions. Alors là, ce premier groupement, j'ai un écart extrême de 60, 62 mm. Donc ça déborde un petit peu le 10 de la C50, mais on doit pouvoir faire du 10 en fait. Je ne me suis pas suffisamment appliqué, mais c'est vrai que c'est difficile de bien stabiliser, c'est désagréable, ça pousse vraiment très très fort. Bon, je vais faire un groupement avec une autre munition là pour confirmer un petit peu, voir si... Parce que là, j'étais un petit peu haut et un petit peu à gauche. Mais avant de changer le réglage, il vaut mieux que je vérifie avec une autre munition. Là, c'est des Samson 240 grains JSP. JSP, ça veut dire que c'est des demi-blindés Boupla. Jaquette haute, soft point, sans doute ça doit vouloir dire. On va vérifier aussi la vitesse de la munition, parce que là j'avais quand même des écarts. Bon, c'est pas très régulier. C'est beaucoup moins régulier qu'en 357 magnum. Le canon court convient peut-être un petit peu moins bien en 44 magnum. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça relève toujours autant, j'ai 355 mètres secondes, c'est à peu près la même chose. Donc là c'est régulier. Bon, en fait, il y a une bonne vitesse, mais bon, de temps en temps, il y a quand même des écarts. L'autre, c'était pareil, j'avais 357, 356, 356, 356, c'était merveilleux, et 335. Sur les 5 coups, il y en a un beaucoup moins rapide. Ça vient peut-être aussi du chrono, je l'ai pourtant un petit peu éloigné, mais avec ce calibre puissant, ça fait quand même une flamme importante et des fois ça trouble un peu le chrono. On va voir ce que donne ce groupement à 25 mètres, donc avec les Samson. Alors c'est munitions Samson, donc, avec une balle soft point, demi-blindée. Alors j'ai 353 de moyenne avec un écart type de 6. Donc ça, bon, c'est bon. Il y en a juste une qui a une vitesse un petit peu différente. Et la précision donc à 25 mètres. Bon là je suis au même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire plus haut et plus à gauche, mais bon, j'en ai une qui s'est un petit peu écartée. Alors c'est peut-être celle qui n'a pas la même vitesse, mais bon, c'est pas certain. J'ai pas filmé la cible, donc je sais pas si c'est la première, la deuxième, la cinquième. Mon groupement est bon, là c'est dommage que la cinquième se soit écartée.
Bon, là, je vais essayer des Winchester. Winchester, 240 grains, jacketed soft point. Bon, c'est toujours la même chose. C'est des demi-blindés flat point. Elles sont un peu moins rapides, celles-là, on dirait. Enfin, on est quand même à plus de 320 secondes. Pour une balle de 240 grains, quand même. 344, ouais, il y a quand même des écarts aussi, là. Ah, ça fait vraiment mal dans la paume de la main. Ah, ça cogne à chaque fois. Comme si on avait pris un bon coup. On vous donne un coup de batte de baseball dans la paume de la main. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai pas changé le réglage. Donc là, c'est Winchester 240 grains JSP. J'ai 337 mètres secondes de moyenne et un écart type de 7. Bon, c'est bon, ça va. Et la précision en cible. Alors elles sont un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas que les autres. Bon, c'est pareil, j'en ai quatre qui sont bien groupées. Ça correspondra aux 10 de la C50, mais j'en ai une qui s'écarte un peu. Bon, bah. Pourtant, j'ai toujours visé exactement au même endroit. Bon, c'est dommage, j'ai 97 mm d'écart. Sur les 4 premières, j'avais que 52, c'était vraiment le 10 de la C50. 10 cordons, même presque 10 intérieurs, mais bon, là j'ai un petit écart. Bon, de toute façon, ce revolver n'est pas fait pour faire du 10 à 25 mètres, en plus, c'est pas sa vocation. Mais le 357 Magnum, à mon avis, était quand même encore plus précis et plus agréable à tirer parce que là, quand même, ça pousse très fort. Déjà, le 44 Magnum dans un canon long, ça pousse. C'est pas toujours très agréable. Faut faire attention où on met, comment on prend l'arme en main. Et là, dans un canon court comme ça, c'est quand même très violent, très brutal. Voilà. Bon, vous trouverez tous les résultats dans un prochain numéro du magazine Action, comme d'habitude. Amis tireurs, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité sur notre site et bon tir !